Bonjour à tous, donc voici la partie A d'exercice 3 du bac S Centre étranger juin 2017. Donc on parle de pharmacocinétique, hein, donc l'évolution d'un médicament après son administration dans l'organisme. Voilà. Partie A, donc administration par voie intraveineuse. On vous donne une fonction f de t qui est la concentration plasmique. Donc là c'est beaucoup de termes compliqués, hein, voilà. Exprimé en microgrammes par litre. Donc juste petit détail, microgramme par litre. Donc déjà, hein, ça c'est mu, c'est donc l'initiale en général pour micro. Hein, gramme, évidemment, c'est gramme. Et comme vous avez microgramme avec ici un petit point litre moins 1, ça c'est une multiplication. Puissance moins 1, c'est comme s'il était dessous, donc c'est des microgrammes divisés par des litres. Hein, c'est pour ça qu'on dit microgramme par litre. Donc la fonction ici, c'est donc 20 exponentielle moins 0,1. T, elle est définie pour t supérieur ou égal à 0. Voilà. Et on vous donne, alors on vous le donne la concentration initiale, donc c'est f de 0. Pour le trouver, hein, là, c'est pas demandé, mais on pourrait très bien le faire. Ça aurait pu être la première question. F de 0, c'est donc 20 exponentielle de moins 0,1 fois 0. Ça ferait 20 exponentielle 0, donc 20 fois 1, donc 20. Donc jusque-là, on est bon. Alors on vous demande de déterminer la demi-vie. La demi-vie, c'est donc la durée pour laquelle la concentration est la moitié du départ. C'est-à-dire qu'ici, pour la question 1, hein, on doit résoudre, f de t égale la moitié du départ. Alors comme au départ on nous dit qu'on a 20, on doit résoudre donc f de t égale 10. Alors donc on a l'expression de f de t, 20 exponentielle moins 0,1 t égale donc à 10. On divise des deux côtés par 20, donc exponentielle moins 0,1 t égale 1 demi. Voilà, pour l'écrire si vous voulez 1 demi. Ensuite, on va passer des deux côtés logarithme, tout est positif, hein, strictement, donc on peut, ça donne donc ln de exponentielle moins 0,1 t égale ln de 0,5. On sait bien qu'ln de e moins 0,1 t, c'est moins 0,1 t. C'est tout l'intérêt du ln, de l'utiliser pour se débarrasser de l'exponentielle. Voilà, égale ln de 0,5. Ensuite, on divise par moins 0,1. Donc, t est égal à ln de 0,5 sur moins 0,1. Vous pouvez prendre la machine dès ce moment-là. Sinon, petite transformation. Pour ceux qui auraient laissé 1,5, vous aurez ici ln de 1,5 sur moins 0,1. Et ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Ça me permet de vous le rappeler. Que ln de 1 sur a, quand a est positif, hein, c'est moins ln de a. Donc ici, votre t, c'est donc, j'ai oublié de rediviser, moins 0,1. Les moins vont s'annuler entre eux. Il nous reste donc ln de 2 sur 0,1, donc sur 1 dixième. Et donc ça fait 10 ln de 2. Donc, eh bien t de 0,5, c'est donc 10 ln de 2. Alors évidemment, on ne vous demande pas de le présenter. Ceux qui auront répondu ln de 0,5 sur moins 0,1 auront juste, évidemment. Alors évidemment, vous pouvez donner une valeur approchée, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ça fait 6,9 comme je viens de vous le montrer en haut. Mais attendez, la calculatrice est partie, là voilà. Donc 6,93 heures. Donc à peu près 6,93 heures, donc on va mettre 6,9, ça veut dire attention 6 heures et 90% d'une heure. D'accord, ça fait donc après 6 heures et 50 minutes, enfin un peu plus que 50 minutes, il faut prendre 90% de 60, ce qui fait 54, c'est donc à peu près 6 heures et 54 minutes. Mais on ne vous demande pas, donc c'est pour vous 10 ln de 2. Alors on estime que le médicament est éliminé dès que la concentration est inférieure à 0,2 microgrammes par litre, donc c'est bien l'unité de F, donc pas de conversion. Déterminer le temps à partir duquel le médicament est éliminé. Donc ici, hein, on doit résoudre, donc hein, on doit résoudre f de t, cette fois-ci inférieur à 0,2. Alors inférieur ou égal, inférieur strictement, on a toujours un petit doute dans la phrase. Là, comme c'est un inférieur, on va mettre strict, voilà, parce que sinon ils auraient peut-être insisté sur inférieur ou égal, mais on ne pénaliserait pas les F pour ça. Hein. Donc, ça donne, on va faire comme tout à l'heure, on a l'expression, donc c'est 20 exponentielle moins 0,1 t, plus petit que 0,2, hein. Vraiment c'est des questions similaires.
On divise tout par 20, exponentielle moins 0,1t inférieure à 0,2 sur 20. Voilà, ensuite on passe au logarithme, puisque le logarithme est strictement croissant sur r plus étoile. Ça veut dire que ça ne va pas changer l'ordre, donc vous aurez moins 0,1t qui va être strictement inférieur à ln de 0,2 sur 20. Voilà. Donc je répète, j'ai mis vraiment un choix sur ce strictement inférieur. On peut très bien faire la question avec un inférieur égal. Ça dépend un petit peu de l'interprétation de ces mots-là, inférieur. Donc ici, par contre, il y a une différence avec les égalités. On va devoir se débarrasser du moins 0,1. Donc on divise par un négatif. Donc quand on divise par un négatif, le sens de l'inégalité change. Donc on a ceci. Ln de 0,2 sur 20 divisé par moins 0,1. Cette fois-ci, on vous demande un temps arrondi au dixième. Donc pour pouvoir utiliser la machine. Vous voyez, ici, je calcule, ça me donne 46,05 arrondi au dixième. C'est donc 46,1. Donc, avec l'arrondi, t doit être strictement plus grand que 46,1, donc une heure. C'est-à-dire 46 heures et 10% d'une heure, donc 46 heures et 6 minutes. Alors, au niveau de notre ln de 0,2 sur 20, on aurait pu un petit peu le transformer, donc je vais le faire, vous montrer ce qu'on aurait pu faire. Alors déjà, 0,2 sur 20, ça fait 0,01. Ça donne 0,01 sur moins 0,1. Alors, ln de 0,01, c'est donc ln de 1 centième, c'est donc ln de 1 sur 100, sur moins 0,1. Donc là déjà, première étape, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On enlève cette fraction, ça fait moins ln de 100, sur moins 0,1. Les moins vont se supprimer entre eux. Ensuite, il vous reste ln de 100. Alors ln de 100, c'est ln de 10 au carré, sur 0,1. Et 10 au carré, ln de 10 au carré, c'est 2 ln de 10. Vous savez, on peut sortir les puissances des logarithmes. Ensuite, 2 divisé par 0,1, ça fait 20. Il vous reste 20 ln de 10. Voilà ce qu'on aurait pu faire. Question 3. Donc là, c'est un calcul d'intégrale. Donc on appelle A et C, l'air sous la courbe. Donc voilà pourquoi c'est une intégrale. La limite quand x va plus infini de l'intégrale de 0x de f de t dt. On est donc parti pour calculer cette intégrale. Alors, donc l'intégrale de 0x de f de t dt, c'est l'intégrale de 0x de 20 fois exponentielle moins 0,1t dt. Il va nous falloir donc une primitive. Alors il faut une primitive de exponentielle moins 0,1t. Alors 20, le 20 on va s'en charger, c'est simple. Mais d'abord occupons-nous de e de moins 0,1t. Alors si vous voulez une primitive, d'abord si on le dérivait, qu'est-ce que ça donnerait? Si on dérivait, c'est e de u, donc vous auriez moins 0,1 qui sort. On aurait ça. Donc si on fait une primitive, il faut penser à ce moins 0,1 qui va arriver en dérivant grand f. Et donc il va falloir le compenser. Le compenser en le mettant en division. Comme ça, quand vous allez dériver, ce moins 0,1 que vous avez mis en bas va être annulé par celui, va être compensé par celui qui va apparaître en haut. Donc voilà notre primitive. Alors, si vous rajoutez 20 exponentielle de moins 0,1t, eh bien, il suffit de multiplier la primitive par 20 et vous obtenez ceci. Donc, c'est l'intégrale. Donc, c'est maintenant la valeur de cette primitive, e de moins 0,1t, divisé par moins 0,1 entre 0 et x. Alors 20 divisé par 0,1, ça par contre on va le faire, ça fait 200, donc ça fait moins 200 exponentielle moins 0,1t. C'est plus facile comme ça. Maintenant on remplace par x, ça fait moins 200 exponentielle de 0,1x moins, donc plus 200 exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1, il reste 200 moins 200 exponentielle moins 0,1x. Il n'y a plus qu'à trouver la limite de ceci quand x tend vers plus l'infini. Alors pour calculer cette limite, d'abord on s'occupe des parties avec l'exponentielle. Donc il y a une petite composée ici. Donc on va donner d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 0,1x. Alors ici c'est moins 0,1, c'est négatif. X tend vers plus l'infini, donc ça fait moins l'infini. Ceci on va le mettre dans un exponentiel. Donc on a besoin de l'exponentielle. Quand grand x ici tend vers moins l'infini, ça donne 0. Donc par composé, limite d'exponentielle moins 0,1 x
quand x tend vers plus infini, ça fait 0. Vous multipliez ça par moins 200. Donc là, il n'y a aucun souci, par produit, la limite de moins 200 exponentielle moins 1x est donc toujours égale à 0. Et donc en ajoutant 200, la limite donc de cette intégrale, donc la limite de l'intégrale ici, ça va être donc égal à 200. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer, hein. On a bien une ASC égale à 200 mg par litre. Voilà, cette partie a été terminée, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la partie B.